شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. Assalamu alaikum. Our children, our amana. Puisque ce amana l'un est aussi précieux pour nous, nous en tant que parents, il est nos responsabilités faire nous mieux pour nous car protéger ces enfants-là et nous car donner les ingrédients qu'ils ont besoin pour faire face à sa dunya-là et aussi préparer pour ce akhirat. Allah dit nous dans le Coran, surah At-Tahrim, surah 66, verset 6. Ô vous qui avez cru, préservez vos propres personnes ainsi que vos familles d'un feu qui sera alimenté par les hommes et les pierres et par des anges rudes et intraitables qui ne désobéissent jamais aux ordres d'Allah et exécutent ce qu'il leur enjoint de faire. Donc, quand nous écoutons ça ayat là, nous réalisons comment l'extrême bouton pour ces enfants-là nous prépare aussi pour ce akhira. Il est nos responsabilités. Il dit nous protéger vous-même et vos familles. Et nos familles, c'est nos amans. Maintenant, pour nous protéger nos familles, nous devons travailler le caractère de nos bons enfants. OK? Donc, caractère, il veut dire beaucoup instaurer, beaucoup de valeurs. Un exemple, nous en tant que parents, nous prenons beaucoup mesures pour protéger ces enfants-là aujourd'hui. Donne-nous la case, nous la caméra de surveillance. Les sorties, nous n'avons pas d'âme de contacter les. Nous guettons quotidien, nous avons un système, nous capables de retracer qui l'endroit ces enfants-là étaient. Nous avons tous les moyens. Mais malheureusement, si nous ne pas mettre la valeur de l'honnêteté, par exemple, de nos enfants, c'est très difficile pour nous de veiller ces enfants-là. Ces enfants-là, si nous ne comprenons pas c'est quoi être honnête, comprendre qu'ils se robent et guettent quotidien, ni pour qu'aucun ne confiance assez facilement. Malheureusement, aujourd'hui, tellement de dangers et tellement de facilités pour rendre sa bonne fléau-là, qui nous enfants, ils vivent très très vulnérables. Nous sommes en danger, comme on trouve beaucoup d'adolescents, qui tombent dans le mauvais chemin, par exemple la drogue. Nous sommes des enfants qui sont extra accro à médias. Nous sommes des filles, pères, qui sont pregnant très jeunes. Nous sommes des enfants qui sont dans la case de parents, qui sont entourés et encadrés, qui font un TikTok anti-islamique, qui font une vidéo, qui ont un contact, qui ont un réseau, qui ont un website qui n'est pas bizarre. Tout ça passe dans la case et nous pas au courant. Donc, nous parents, nous devons pour nous renseigner. Nous besoin à lire, nous besoin à renseigner, nous besoin à vers une source d'information. Par exemple, dans Steam, nous avons un groupe, nous Steam Parenting, qui est sorti, un groupe qui nous PC touche à plusieurs problèmes qui affectent nos enfants. Là. Donc, nous devons, nous en tant que parents, sortir à faire ce workshop, un message qui peut passer, faire circuler, accompagner les guides, qui est là. Il est venu nous laver les charges, mais malheureusement, si nos enfants tombent dans le mauvais chemin, il y a un homme qui plie grand-père pour nous. Pas oublier, c'est nous, Amana, nous pouvons extra-sagrer dans le dunia si ces enfants-là turn out un mauvais du monde et aussi dans l'arrière quand nous pétrolions vers le chemin de l'enfer. Nous devons la protéger de nos enfants pour ça. Donc, nous demandons de faire droit, nous faire droit qu'Allah aide-nous de ce travail-là. Faire ses faux bons parents, sortir, lire, renseigner, atteindre un workshop qui est là. Et, Inch'Allah, avec tout ce que nous avons fait, nous devons protéger nos enfants de sa akhira là, Inch'Allah, prépare-lui de sa dunya là, prépare-lui d'akhira. Amin. Et jazakallah khair. والحمد لله رب العالمين.